Donc, bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment être informé quand nos niveaux de stock sont bas et mettre le niveau de stock bas sur notre fiche produit PrestaShop. Donc, pour ce faire, nous allons retourner ici au niveau du back-office de PrestaShop. Nous allons cliquer sur Catalogue, Produits. OK. Et on va commencer pour un produit avec déclinaison. Donc, sur un produit avec déclinaison, comme celui-là. Pour pouvoir venir mettre le niveau de stock bas, il va falloir donc cliquer sur l'onglet déclinaison pour ensuite venir le travailler sur chaque déclinaison. Donc là, par exemple, je vais le faire sur la première déclinaison qui est de 100 grammes. Je clique sur le petit crayon. OK. Et ici, regardez, vous allez pouvoir mettre votre niveau de stock bas. Par exemple, si vous reste que 10 exemplaires, vous mettez stock bas. OK. Et si vous souhaitez être informé, ben, vous allez cliquer. M'envoyer un email car la quantité est en dessous et égale à ce niveau. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Deuxième chose, pour les produits sans déclinaison, donc les produits simples. Donc, vous allez cliquer sur le produit. Donc, le produit simple. Donc, là, en l'occurrence, on va sur Mug Today is a good day. Au niveau de l'onglet quantité, vous cochez l'onglet quantité. OK. Et ensuite, regardez, vous allez pouvoir remplir le niveau de stock bas. Donc pareil que tout à l'heure, vous mettez 5, pareil. Et donc à partir de 5, ça va être considéré comme stock bas. Et vous pouvez cliquer m'envoyer un email quand la quantité est en dessous ou égale à ce niveau pour être informé que votre niveau de stock est bas pour pouvoir eh bien, recommander vos produits. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Et vous n'oubliez pas bien évidemment de cliquer sur enregistrer.